j'apprécie le peu qu'on a encore vu ce matin, c'est qu'ils ont tous aménagé, donné un petit air d'été. Bravo, je pense que tous y respectent. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? On remet les terrasses, les confinements des terrasses, depuis le 2 juin, accepté. Donc du coup, on se met en place sur la ville de Poissy. Et puis, puis voilà. Vous avez agrandi la terrasse du coup? J'ai agrandi un petit peu la terrasse, donc je passe de 30 places assises à 40, 45, 50. On va avoir une amplitude horaire beaucoup plus importante qu'avant, puisque je passe de 11h le matin à 23h le soir, puisque maintenant du lundi au jeudi, on a le droit d'ouvrir que jusqu'à 23h, et minuit le week-end. Donc ça fait une amplitude horaire très importante, puisque je reste aussi ouvert toute l'après-midi. Et puis surtout le dimanche pour le jour de marché, j'ouvrirai aussi de 11h de 11h à 13h. Vous avez combien de places en terrasse, vous, du coup? On va avoir 24 couverts. Vous avez déjà des réservations ou... On ne prend pas de réservation, étant donné qu'on n'a pas beaucoup de places. Je dirais que premier arrivé, premier chanceux. À partir de quelle heure on peut venir manger? À partir de 12h jusqu'à 14h, et après de 19h à 22h. Donc nous avons tout désinfecté. À chaque changement de client, on va de nouveau désinfecter tables et chaises. Et puis pour les personnes qui souhaitent aller aux toilettes, devront se munir d'un masque. Tiens, remercier les services de la mairie. On va pouvoir s'étendre un petit peu sur notre droite parce que la terrasse, dans la configuration actuelle, elle est un petit peu réduite. Donc je vais m'étendre un petit peu sur ma droite et puis je vais aller un petit peu en face en partenariat avec le restaurant Bao. Et puis on va mettre surtout les gestes barrières quoi, et répéter que malheureusement c'est pas fini. On est joyeux parce qu'on réouvre, c'est un moment positif, mais il faut quand même mettre les choses bien en clair et bien informer notre clientèle que ça sera une personne à la fois dans les toilettes, avec lavage des mains, etc. Les distanciations, ça ne va pas être facile à faire respecter, mais je tiens surtout à l'honnêteté individuelle des personnes. C'est du boulot encore, mais ça va être agréable et on est impatients. Alors vous êtes content de retrouver la terrasse? Ouais, on est content, ça fait plaisir. C'est beau en plus. Avec monsieur Hassan. Hassan CF. J'installe enfin ma terrasse en essayant de respecter effectivement toutes les distances de sécurité imposées. Donc c'est assez compliqué, mais on y arrive. Vous pouvez recevoir combien de personnes sur votre terrasse? Ah, là on va diviser par deux en fait. Hein. On va être sur 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, les 16 couverts pour l'instant. On espère en serrer un peu, mais c'est assez compliqué. Là c'est une table de 4, on a la possibilité de les mettre ensemble, table de 8 et au maximum. Après une table de 2, on sera effectivement obligé de séparer les tables. Donc, voilà, vous sentez les clients impatients ou pas? Très, très impatients. Peut-être pas autant que nous, mais très impatients. On a énormément d'appels, on reçoit beaucoup d'appels. On sent que les gens ont envie effectivement de sortir, d'être ensemble, de passer les moments ensemble. C'est un lieu convivial, c'est un lieu où on mange, mais aussi on parle, on signe des contrats. Je pense qu'on a besoin de ça, donc voilà, j'ai hâte. Et puis ce soir, je pense que je viendrai faire mon petit tour à 23h pour voir si le respect ou si la gestion de la clientèle est bien. Voilà.